Le Soir d'Argent. Le Soir d'Argent. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 19h à 21h, sur TSO Radio. Cette équipe de bras cassés, au grand complet. Axel, Seb, se surpasse. Enfin, ils essaient. Un show quotidien, divertissant, amusant, mais aussi sérieux, avec des interviews, de l'actu, et bien sûr, une pluie de conneries. Et en direct. Le Soir d'Argent. Tous les soirs, de 7h à 9h, à l'heure de l'apéro, sur TSO Radio. Mais pourquoi de 7h à 9h ? Bah, c'est pareil. Bah oui, 7h à 19h, c'est exactement pareil. Bah oui, pareil. C'est 19h, merde. Les aventures d'Axel et Seb sur TSO Radio dans Le Soir d'Argent. 3, 2, 1. Le Soir d'Argent sur TSO Radio. Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oh putain, c'est parti dans le rouge. Comment ça va tout le monde? Bah ça va super. Bienvenue. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes à TSO Radio, c'est Le Soir d'Argent, 19h-21h, tous les soirs de la semaine du lundi au vendredi, vous le savez? Oui, oui, c'est vrai. On commence à savoir. Ah bah oui, à un moment donné, les bras cassés sont de retour, tout ça on l'entend cassés, que les soirs. Les bras cassés, ouais. Aujourd'hui c'est une soirée spéciale parce qu'il est 19h déjà, donc soirée. Ouais, ouais déjà. Ouais, nous, ouais. Sommes avec, nous avons une invitée qui représente, non, qui va participer au rallye. Aïcha. Alors, au rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. C'est bonsoir. Ça. Avec bonsoir Manel. Bon accent, avec le bon bonsoir, accent. Manal. Bonsoir. Alors oui, il y a, comment ça se dit avec l'accent? Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, ou alors Aïcha si tu veux, si vous voulez. Non mais ça va, ça, je le dis pas trop mal, ça va. En plus il fait chaud dans le studio, donc on se croirait vraiment dans le détail. C'est vrai que là au niveau... Les conditions là on est au Maroc hein, les gars. Tout est dans le désert. Je viens de vous faire voyager au Maroc. Hein. Ouais, c'est, tu nous as fait rêver pour une fois. T'as déjà vécu le sauna, Nivek? Ouais, ouais. Ah bon? Ah bon, je pensais pas. Oh, il t'attendait tellement à lui. Ouais, mais ouais. Il m'a niqué. Comment ça va, Sébastien? Bah écoute, ça va très bien, et toi? Bah écoute, ça va super, chaud, je suis luisant. Très luisant. Voilà. C'est une semaine chaude. Hein. Une très, très chaude. Mais en parlant de chaude, Hélène, comment vas-tu? Ça va, ça sans va. Sans transition, hein, il sait. Non, il n'y a pas de transition. Il sait faire non, la... ça va. Eh ben, tant mieux. Je suis contente, on va peut-être faire un kiki bluff tout à l'heure. C'est vrai? Ouais. Peut-être, ou pas. C'est prévu. Oui, un kiki bluff. Le principe du kiki bluff, je le dis tout de suite, Manel, parce que il faut soit donner une anecdote vraie ou fausse. D'accord. Et notre rôle sera de savoir si c'est vrai ou c'est faux. D'accord. Donc on va tous le faire, beaucoup vont le faire, hein, ceux qui ont des idées. Et on est très très forts. Et voilà, faudra tout simplement que nous devinions si c'est la réalité ou pas. Donc ça, on fera ça tout à l'heure. Nivek, comment vas-tu? Ça va très bien, tranquille. Ça va super. En même temps, c'est le jour où tu vas me dire que ça va pas. Ouais. Ça va, mon petit Vince? Bah, ça va toujours. Comment hein. Tu vas bien? T'as on chaud est... Oui, oh, j'ai chaud. Ça fait une semaine qu'on a chaud, là. La semaine dernière, tu nous as fait un beau pipeau, quand même. Ah hein. Oui. Magnifique. Laura, ça va? Ça va, merci. Tant mieux. À bientôt. Bonne à bientôt. Allez, merci. Hein. Et Stéphane. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. Tu as de magnifiques lunettes. Ah, mais merci. De rien. T'es tellement surpris, quoi, mais des lunettes. Mais parce que, en fait, je viens de me rendre compte qu'il n'avait pas de lunettes la fois dernière. Ah bah non, t'étais pas là la fois dernière, c'est pour ça. Excuse-moi, la fois d'avant, donc il y a longtemps. La fois d'avant, tu n'avais pas de lunettes. Voilà. Tu voyais plus? Mal. C'est mal. À force de voir et des fantômes. Et là, maintenant, tu nous vois. Tu ne voyais plus. Voilà. Tu nous vois comme on est réellement. Voilà. T'as pas envie de partir? Un peu. Eh ben, et c'est à force de voir des fantômes, ça rend... Oh, bah voilà. Il nous reste 3 semaines, après c'est bon, c'est terminé. Ouais, la saison est terminée, donc t'inquiète pas pour ça. Ça se termine pour la saison. Ça se termine. Là, on est mardi, vendredi, c'est le live de fin, c'est la dernière. Ouais, 3 jours, là. 3 jours. Qui c'est qu'on reçoit? Normalement, au live, on reçoit peut-être Cyr... T'as oublié. J'ai oublié. Bravo. J'ai oublié. Et ben, je vous en parlerai plus tard parce que j'ai oublié aussi. Cyr Elvis. Cyr Edward. Cyr Elvis. C'est un whisky, hein, Cyr Elvis. Non, mais on reçoit celui qui va peut-être, je pense, faire le buzz. Il a peut-être déjà fait au moment où je vous parle. Hein, parce de que, Lens, voilà, avec, de Lens, c'est ça. Il est de Lens, il a tourné un clip sur Aller les Bleus. Donc forcément, c'est tendance en ce moment, hein, c'est la Coupe d'Europe. Oui, oui, oui. Et voilà, la semaine dernière, il était déjà à 20 000 vues, hein, donc là, ça devrait bien monter. En quelques jours. Et je parle de la vidéo, hein, oh, bien d'accord, entendu. D'accord. Il sera peut-être notre invité pour le dernier live de la saison du Soir Tarchaud. Voilà, je vous le dis, c'est annoncé, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est une soirée spéciale rallye. Nous qui sommes très sportifs, on sait de quoi on parle, hein, on sait de quoi on parle. Mais avant ça, vous le connaissez, à chaque début d'émission, c'est le fameux horoscope sexuel avec les tendances sexuelles
de nous toutes et tous, et vous qui nous écoutez. Quel est votre signe astro-manal ? Eh bien, moi, je suis Cancer. Mon anniversaire, c'est 18 juillet. Je dis ça comme ça. Si jamais... Dans un mois, parce que nous sommes mardi de la semaine d'après. Dans quelques semaines. Cancer. Donc, on aura tous un petit rite. Tu sais quand on va entendre le cancer, normalement. Hein, on verra. C'est qui fait l'horoscope ? C'est Hélène. C'est Hélène, avec cette voix magnifique. Oui, bien sûr. Eh bien, c'est quand tu veux. Alors, Bélier. Vous donnez corps à la passion dans vos moments intimes. Vous et votre partenaire vivrez de moments intenses et ces moments vous rapprocheront et feront naître ou renaître votre fougue amoureuse. Ah, c'est toujours bien pour moi. C'est toujours bien. Bélier, on s'en rappelle, c'est vite. Hein. Ouais. Il est toujours chaud, Vincent. Toujours. Une vraie chaudière. Taureau, vous croquez la vie et l'amour à pleines dents. Vous êtes dans le love et vos câlins sous la couette seront pleins de tendresse et de douceur. Avec la chaleur sous la couette. J'avoue que là, oui, mais oui. Peut-être moins chaud. Oui, c'est vrai. Ouais. Gémeaux, vous passerez de nombreux moments sous la couette. Vous faites le plein de galipettes jusqu'à épuisement. C'est que les températures ont baissé, alors. Cancer. La mise en valeur de votre facette séductrice donneront des envies à votre partenaire. Vous jouerez de vos charmes pour obtenir et assouvir toutes vos envies sexuelles. J'ai mis le blanc. Merde, on a passé le cancer, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu la photo. Quel plaisir tu vas avoir de le refaire. Alors, la mise en valeur de votre facette séductrice donneront des envies à votre partenaire. Vous jouerez de vos charmes pour obtenir et assouvir toutes vos envies sexuelles. Est-ce qu'il y a un monsieur Manal ? Oui, et oui, derrière une gazelle se cache un homme, bien sûr. Ah, derrière une gazelle se cache un homme. Bon, bah, s'il nous écoute, c'est bon, hein. Voilà, il va falloir qu'il se prépare, du coup. Lion, vous laissez exprimer votre sensualité. Vous savez comment et où aller pour donner à votre partenaire des sensations fortes et intenses lors de vos moments intimes. Vierge, vous prenez des initiatives coquines dans vos moments câlins, ce qui surprendra votre partenaire et lui donnera des envies de vous donner encore plus. Qui est vierge ? Personne. Personne. Ta gueule. Je parlais du sinestro. Ouais. Balance, vous êtes très réceptif aux sentiments et vous aurez envie d'un moment tendre, passionnel et charnel. Scorpion, vous enchaînez les aventures. Votre potentiel de séduction est à son apogée. De quelque durée qu'elle soit, chacune d'entre elles vous apportera de l'expérience. Maintenant que tu vas être papa, bravo. Hein. Franchement, je suis pas au courant. Je suis déçu. Moi non plus, je suis pas au courant. Bah, c'est vrai qu'à 50, à 60 ans, tu pensais pas qu'elle allait tomber enceinte. Comme quoi, tout est possible. Sagittaire, les températures extérieures ne vous donneront pas envie de passer des moments câlins avec votre partenaire. Ouais, ouais. Capricorne, sur le plan sexuel, ce sera la traversée du désert. C'était dans le thème. On est dans le thème. Et quelle que soit votre situation, elle sera vraisemblablement bloquée et en tirera peu de satisfaction. Pour toutes les gazettes Capricorne, alors. C'est ça. Les rencontres risquent d'être décevantes. Verseau, célibataire, votre vie sexuelle n'aura rien à envier aux montagnes russes, avec des hauts et des bas excessifs. Il faudra avoir le cœur bien accroché ou alors se résigner à la médiocrité. Si vous vivez en couple, la vie quotidienne relèguera vos moments intimes au second plan. Tant vous que votre conjoint seront occupés à d'autres choses. Et poisson. Ah, les derniers. Aujourd'hui, vous avez le droit à un vrai feu d'artifice sentimental, provoqué par l'influence conjuguée de plusieurs planètes. Cœur solitaire, vous pourrez faire une très agréable rencontre. En couple, vos relations avec votre conjoint seront empreintes de complicité, de tendresse et passion sous la couette. C'est chaud, fait très chaud, c'est la passion sous la couette. J'ai l'impression d'avoir une couette sur moi là. Ah ouais, là carrément. Regarde, j'ai trempé le truc. On va tous mourir. Sur la table, là, carrément. J'ose même pas la toucher, la table. Oui, ne touchez pas la table parce que s'il y a de l'eau, la peinture va partir. Merci Hélène, c'est très gentil. De ta part, je devais dire quelque chose, mais j'ai complètement oublié. Ça me reviendra après. On fera le dos tout à l'heure. Vous avez l'habitude maintenant, hein ? Oui. Bah oui, bien sûr. Hein. Nous sommes avec, je l'ai dit en début d'émission, nous sommes avec Manal. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes, bonsoir. C'est ça, bonsoir. On a dit hors antenne qu'on pouvait dire Manel, parce que c'était comme ça que ça se disait au Maroc, c'est ça ? Oui. Donc eh ben, je m'autorise parfois à dire Manel, Manal. Avec grand plaisir. Je crois que tu m'avais dit Manel, cher Xavier, non ? Tu l'as dit à la marocaine. Tu l'as dit à la marocaine. Il n'ose pas avouer. Xavier a une autre voix off hein, qu'on ne présente plus parce que vous l'entendez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc. Enfin, la voix off qu'on voit enfin en chair et en os, oui, nous. Tu l'as jamais vue ? Non. Alors,
que Vince, Vincent, Vince. Laura, Hélène, je crois que vous n'avez jamais rencontré la voix off en vrai. Non. Cette grosse voix qui dit que vous êtes des bras cassés. Voilà, exactement. Et je ne lui ai rien écrit. Hein. Voilà. Tu lui as rien écrit en plus. C'est de sa propre imagination. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler de l'association que vous avez créée. Oui. Le rallye des gazelles des Hauts-de-France. Alors, l'association s'appelle Les Gazelles et des Hauts-de-France, que j'ai créée, a pour but, si vous voulez, de faire des événements sportifs, tels que le rallye des gazelles, des treks. Et puis, bien évidemment, l'utile et agréable, c'est soutenir une association. Et là, nous soutenons cette année l'association MLD, les maladies du foie de l'enfant. D'accord. On en parlera tout à l'heure. On en parlera donc. On va développer tous ces sujets dans quelques instants. Il y a les infos qui arrivent sur TSO, un peu de musique, et on est de retour tout de suite. Sur TSO Radio, à tout de suite. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.